bienvenue à ce culte de commémoration de notre cher ami Jacques Guggenheim. Ren, David, Ruth, Ilham, Bahia, Naël, Rosine, cousins et cousines de Jacques, amis de Jacques, Hamakom Yenachem Etchem, Betoch Sharei Avlei, Yerushalayim Vetzion, que la sainte présence de l'Éternel vous console parmi tous ceux qui sont en deuil à Jérusalem et à Sion. Nous sommes là pour nous souvenir de la vie de Jacques dans ce lieu qui avait tellement de sens pour lui, n'est-ce pas? Tout a commencé ici, quelque part, il y a bien longtemps. Et dans ces dernières années, il s'est dédié à continuer ce ministère ici. Un de mes poètes préférés, T.S. Eliot, dit « Ce que nous appelons commencement est souvent la fin. La fin, c'est l'endroit d'où nous partons. » Esaïe a dit « Souvenez-vous du lointain passé, car je suis Dieu et rien n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite, et dès le temps jadis ce qui n'est pas encore fait. » Merci à vous tous d'être là. Pour ceux qui nous regardent depuis YouTube, j'aimerais vous remercier aussi de votre présence avec nous dans ce moment important pour la famille Guggenheim. Et si vous voulez donner un message de soutien à la famille, vous pouvez le mettre sur le chat et nous allons communiquer vos messages et vos salutations à la famille Guggenheim quand on a mis tout ça ensemble. J'aimerais remercier Julien, David Petit et Béatrice Rebel Petit pour cette magnifique improvisation sur l'air de Torrent d'amour et j'abandonne à tes pieds tous mes fardeaux. J'aimerais inviter notre ami, collègue et frère John Wilson de l'église évangélique baptiste de l'avenue du Maine de venir et commencer notre cérémonie avec un psaume. Et nous allons suivre ce programme que vous avez reçu. Alors, dans ce programme, il y a un changement. Nous n'allons pas entonner le chant « Mon encre et ma voile » qui est en début. On va passer directement à John. Combien il est bien de commencer notre culte avec ce psaume, car Jacques savait que le bon berger l'a guidé tout au long de sa vie. Et je suis personnellement reconnaissant à Rennes, qui était un de mes professeurs de langue française à l'école de langue. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal, car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous, ici, nous sommes chez quelqu'un, et c'est chez James et Augustin et les frères et sœurs de l'église de la rue de Lille. Et donc, je vous invite, James et Augustin, de venir et prendre la parole au nom de la rue de Lille. Merci, merci.
d'être venus nombreux pour ce moment de revoir, un culte de reconnaissance aussi à notre ami, frère Jacques. Et je suis pasteur de l'église depuis que je suis arrivé ici. Donc, je suis arrivé en 2004. C'est en 2005 que je commençais le ministère pastoral. Et Jacques était déjà membre de cette église où il exerçait déjà son ministère parmi les Juifs, l'association que nous connaissons, Juifs pour Jésus, et où il dirigeait une publication donc, de la revue, un petit journal, disons, Juifs et le berger d'Israël. Bonjour à tous. Jacques était le plus assidu de nous tous dans cette église. Il ne manquait jamais un culte. Il ne manquait de culte que quand il était à Antibes, comme il le disait souvent avec lui. Après son accident, et après le confinement, Jacques est quand même revenu à l'église. Et j'ai eu le plaisir et... Oui, j'ai eu le plaisir de le raccompagner, comme je le faisais souvent, et c'est la dernière fois que Jacques est venu à l'église. Il n'est plus revenu. Jacques était le doyen de notre communauté. Jacques était un frère, un père pour chacun de nous. Et pour moi, un maître comme l'est encore Augustin. Lorsque je demandais à Jacques comment il allait quand il arrivait le matin, « Comment vas-tu, Jacques ?» il me répondait invariablement, « Le Seigneur va bien. » J'entends Paul dire aux Philippiens, « Et même je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Philippiens 3, verset 8. J'avais 10 ans en 1941. Je suis né à Paris et j'ai vraiment perçu que j'étais juif quand j'avais 10 ans. Un copain dans la cour de l'école avec qui j'avais l'habitude de jouer m'a flanqué un coup de poing dans la figure en me disant « Tiens, c'est pour toi, sale juif. » Souvent, nous prenons conscience de notre identité juive par l'antisémitisme et la haine que certains ont à notre égard. Ça m'a aidé à prendre conscience que j'étais juif et plus tard, quand nous avons pu nous réfugier en Suisse, en 1944, j'ai fait ma bar mitzvah à Vevey. J'ai dit avec la bouche des mots qui étaient dans la Torah, mais mon cœur n'a pas été touché. Par contre, j'ai fait une expérience importante. Mon père a cherché un endroit où je puisse passer des vacances avec une bonne nourriture et au plein air. Et il a trouvé une famille de cultivateurs au bord du lac de Neuchâtel qui m'ont reçu avec beaucoup d'affection. J'ai été surpris quand je suis rentré dans leur maison la première fois. Ils ont dit que c'était pour eux un privilège de recevoir une famille de juifs et qu'ils avaient depuis plusieurs générations un trésor dans leur ferme. Alors quand ils ont dit le mot trésor, j'ai regardé sur les murs si je voyais une couronne ou quelque chose, et ils m'ont dit que ce trésor qu'ils possédaient, c'était un trésor juif, que c'était la Bible. Et je les ai vus vivre pendant 3 étés, et ils m'ont interpellé, parce qu'ils connaissaient la Bible, la première alliance et la nouvelle alliance bien mieux que moi. Et je leur ai dit un jour, au fond, vous, chrétiens évangéliques, vous nous avez volé notre héritage. Et ils m'ont répondu, nous ne t'avons rien volé, mais Dieu avait promis à ton ancêtre, Abraham, que toutes les familles de la terre seraient un jour bénies dans sa postérité, ce qui est notre cas. Ensuite, j'ai suivi le chemin que je voulais suivre. J'ai fait les Beaux-Arts à Lausanne et j'ai vécu pour la peinture
jusqu'à l'âge de 25 ans. En faisant la peinture, j'ai aussi rencontré des gens qui pratiquaient les philosophies orientales et j'ai suivi ce mouvement pendant 2 ans, pensant trouver la réponse à mes problèmes. Je voulais savoir quelle était ma place dans l'univers et qu'est-ce que je pouvais faire pour être utile. Je suis tombé malade dans cette recherche et quand j'étais à l'hôpital, c'était à Naples, j'ai tourné mes pensées vers Dieu en lui demandant de me révéler son chemin pour qu'il puisse me sauver, comme Jacob l'a fait à Bethel. Je me souviens de lui avoir dit « Je n'ai rien à t'offrir, je ne peux pas te donner la dîme de ce que je ne possède pas, mais si tu me sors de là, alors je te donne ma vie, fais-en ce que tu voudras. » Dieu m'a sorti de cette maladie. Je suis rentré convalescent dans l'est de la France et Dieu a mis sur mon chemin plusieurs chrétiens évangéliques qui m'ont enseigné et qui m'ont aidé à découvrir que Jésus est bien celui dont Moïse, les prophètes et les psaumes ont parlé. Mais ça a été difficile à admettre parce que j'étais sur le point de partir en Israël et je ne pouvais pas imaginer que Jésus puisse être le Messie alors que tant de Juifs ne le reconnaissent pas. Alors j'ai passé une période importante de ma vie à lire dans le Nouveau Testament et à comparer avec les textes qui se trouvent dans l'Ancien Testament, dans le Premier Testament. Et je me suis aperçu, au bout de plusieurs mois de recherche intense, que Jésus était bien celui dont il était question dans les livres de Moïse, dans la loi et dans les prophètes. Alors, j'ai manifesté ma foi et j'ai été engagé rapidement dans une œuvre de témoignage auprès du peuple juif. C'était en 1958 et depuis cette époque, j'ai beaucoup voyagé, témoigné de ma foi, mais j'ai aussi eu et j'ai encore un ministère pour dire à mes frères et sœurs chrétiens que c'est bien d'aimer le peuple juif, mais qu'ils doivent apprendre à le connaître tel qu'il est, afin de pouvoir parler à leur cœur et leur dire ce qu'il doit être dit. Car trop souvent, certains chrétiens parlent au peuple juif en leur parlant de leurs songes, de leurs visions, et ne tiennent pas compte de ce que Dieu veut à leur égard. J'ai fait ma bar mitzvah en 1944 à Vevey, et je me souviens encore des premiers mots de ma paracha qui disait « Vaya Omer Adonai El Maoshe Laimaur Da'abei Yisroel » ce qui veut dire que Dieu demande à Moïse de parler au peuple juif et de lui transmettre son message. Et je suis très marqué par le fait que Dieu parle et qu'il emploie des mots qui doivent être perçus avec toute leur intensité. J'ai donc vécu pour la peinture jusqu'en 1956, mais quand j'ai donné mon cœur au Messie Jésus et que je suis rentré dans une œuvre de témoignage pour témoigner auprès du peuple juif, j'ai abandonné la peinture parce que j'estimais qu'il était plus important de faire ce que Dieu me demandait de faire. Depuis 2002, je suis à la retraite et j'ai repris la peinture. Et je peins des mots hébreux, des phrases en hébreu, le mot vérité, des mots qui peuvent parler, qui doivent parler à nos cœurs. Et j'essaye de faire en sorte que cette peinture puisse apporter un message de la part de Dieu à travers des mots qui ont une signification. Et cela me permet d'avoir de bons contacts avec des gens qui autrement ne sont pas forcément interpellés par l'Évangile. Je peux vous inviter à vous mettre debout, je vais lire le Kaddish. Yitgadal ve'yitgadash shmei Rabba, be'alma divra chirutei ve'amlich malchutei uv'chayochon uv'yomechon uv'chayei dechol beit Yisrael, be'agala uv'zman kariv, ve'imru amen.
יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפער ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה, ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דם איראן בעלמה ואמרו, אמן. יהי שלמה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו, אמן. Vous pouvez vous asseoir. Il peut être difficile d'être juif des fois. Et des fois, je pense que c'est même plus difficile d'être juif croyant en Jésus comme l'a été Jacques. Et c'est pour ça qu'il appréciait des amitiés et nous avons besoin d'amis. Et c'est pour, avec joie que je présente Étienne Lermenot, qui a été un grand ami à Jacques personnellement, à son ministère au sein du Berger d'Israël et bien sûr l'a soutenu depuis tant d'années. Merci Étienne. Chère Reine, David, Ruth, Ilham et puis les enfants, je prends la parole ici à la fois en ami mais aussi en directeur de l'Institut biblique où Reine et Jacques, dans un passé maintenant un peu lointain, en 61, sont arrivés pour se former. Premier couple à loger sur place ou à tenter de loger sur place, c'était un peu compliqué, il n'y avait pas les structures. Mais voilà un petit bout de cette histoire que je n'ai évidemment pas connue. Je n'étais même pas né à ce moment-là. Dans un petit livre écrit avec Frédéric Baudin, que vous entendrez tout à l'heure, « Le judaïsme, un regard chrétien », notre regretté Jacques a relaté comment les nombreux textes de la Bible hébraïque, parlant du Messie, l'avaient finalement convaincu, je le cite, quand Yeshua, l'Éternel, notre Dieu, nous rachète et nous sauve, Jésus est bien notre Messie. Et il conclut par ces mots, « Depuis 1956, ma vie a changé et je peux rendre témoignage que le Messie aide, soutient et relève tous ceux qui l'invoquent. L'Éternel change la terre aride en source jaillissante. » En repensant à Jacques Guggenheim, à son histoire tourmentée jusqu'à ce qu'il reconnaisse en Yeshua le Messie annoncé, à son service passionné pour faire connaître et reconnaître aux hommes et aux femmes de son peuple celui qui est le berger d'Israël, à cette blessure, jamais totalement refermée, d'être pris pour un traître par ceux de son peuple, et souvent incompris par les frères et sœurs chrétiens, son peuple d'adoption, quand je repense à son caractère obstiné, parfois ombrageux, qui lui a valu quelques difficultés, quand je repense à sa vive sensibilité qui en faisait un artiste peintre accompli, je me dis que la citation libre qu'il a faite du prophète Ésaïe résume bien ce qu'il a été. Une terre aride, assoiffée que l'Éternel a abondamment abreuvée, au point d'en faire un lieu où beaucoup ont pu se désaltérer. J'ai croisé Jacques Guggenheim à trois reprises dans mon existence. La première fois au début des années 80, alors qu'il présentait le judaïsme et la nécessité d'annoncer l'Évangile au peuple juif, aux étudiants de l'Institut biblique Emmaüs en Suisse, où je me formais. Je l'ai croisé une deuxième fois au cours des années 90 alors qu'il venait présenter le ministère du berger d'Israël dans les églises baptistes d'Albi et Libre de Carmo dont j'étais alors le pasteur. Et la troisième fois, c'est à la fin des années 90 dans ce bâtiment au siège de la Fédération baptiste dont j'étais devenu tout récemment le secrétaire général. C'est alors que l'amitié s'est nouée, que nous avons fait un bout de chemin ensemble, moi un peu comme ouvrier de la dernière heure. Cela faisait déjà 20 ans que Jacques rédigeait le Berger d'Israël et assurait avec l'aide de Reine, son épouse, tout le travail lié à cette activité. Et lui, comme pasteur, soucieux de se trouver un successeur.
Il avait alors 66 ans. En fait, j'aurais pu être son fils, puisque 31 ans nous séparaient et qu'à 8 jours près, il avait exactement le même âge que mon père. Malgré cette différence, il a accueilli mon autorité de jeune secrétaire général avec respect et m'a même manifesté une affection dont je garde un souvenir ému. Et pourtant, mes amis, rien n'a été simple dans notre cheminement commun. Pour des raisons administratives et fiscales, j'ai dû le convaincre de détacher l'œuvre du berger d'Israël, qui avait été son œuvre, de la Fédération Baptiste pour fonder une association distincte, chose qui sera faite en 2002. Il a ensuite connu une assez grande déception quand celui qu'il avait en vue pour le remplacer a décliné son offre. Puis, comme beaucoup de pasteurs attachés à l'œuvre qu'ils ont portée pendant des années, cela lui a coûté de transmettre le flambeau à Guy Attia, que nous avions pourtant recruté ensemble pour diriger la nouvelle association. Je souhaite en cette occasion, chers amis, reconnaître ma dette à l'égard de Jacques Guggenheim. Sans sa passion pour l'annonce de l'Évangile au peuple juif, sans son obstination pour faire valoir l'importance de ce ministère, je ne serais jamais devenu, moi qui ne suis pas juif, président d'une association juive messianique. À vrai dire, j'en reviens toujours pas. Hein. Plus encore, je n'aurais pas été sensibilisé à cette dimension incontournable de la mission de l'Église et je n'aurais pas été amené à réfléchir à ce que dit l'Écriture à ce sujet. Je lui dois donc beaucoup, mais je regrette de ne pas avoir su le lui dire de façon plus explicite. Je voudrais aussi dire ma reconnaissance à Rennes pour sa patience, sa lucidité, aussi son soutien dans cette période où nous essayons, Jacques et moi, de trouver les moyens de bien fonctionner, de bien collaborer. Je voudrais enfin exprimer ma reconnaissance à Josué Turnil et à Juifs pour Jésus, parce que vous avez su l'accueillir, pour vous seconder dans votre travail et l'aider à faire ainsi le deuil des années au berger d'Israël. Jacques est aujourd'hui auprès, non pas du journal, mais de celui que le journal désigne, il est auprès du berger d'Israël, qu'il a fidèlement servi. Il laisse un vide chez tous ceux qu'il a aimés et accompagnés, et ils sont nombreux, tous ceux à qui il a témoigné de l'amour de Yeshua, le Messie d'Israël et le Sauveur des nations. Il laisse évidemment un grand vide chez vous, ses proches, Rennes, son épouse, David et Ruth, ses enfants, Ilham, sa belle-fille, Baya et Naël, ses petits-enfants. Que le Seigneur vous soit en aide, qu'il vous console et vous soutienne comme lui seul sait le faire. Et j'emprunte ces paroles au patriarche Job pour vous dire « L'Éternel nous avait donné Jacques et nous en sommes reconnaissants. Aujourd'hui, il nous l'a repris et nous en sommes affectés. Mais en tout, nous voulons que l'Éternel soit béni. » Merci. Merci Étienne. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'un culte évangélique, il y a quelque chose que vous devez savoir. Les évangéliques aiment un chant que vous allez reconnaître sous le nom de Hatikva, mais ils ont mis des paroles françaises à ce chant. Donc je vais vous inviter à vous lever, puisque c'est quand même Hatikva, et on va chanter au Prends mon âme, peut-être d'une manière que vous n'avez jamais entendue. Alors c'est avec une certaine émotion que j'évoque à mon tour le souvenir de Jacques. En votre présence, Rennes, Ruth, David et Ilham, et vos enfants, Baya et Naël, Rosine, ainsi que la famille et les amis de Jacques. Alors j'ai rencontré Jacques en 1980,
Et pendant une douzaine d'années, dont six à plein temps, je l'ai accompagné dans son travail dans le cadre du Berger d'Israël. Nous nous retrouvions régulièrement dans les locaux de cette église, notamment dans la salle qui se trouve en face de ce temple, pour les rencontres des groupes bibliques du Berger d'Israël. Lors de ces rencontres, je ne me souviens pas d'une seule fois où nous n'avons pas chanté « Ô prends mon âme ». C'était certainement l'un des cantiques préférés de Jacques, et cela non seulement parce qu'il est composé sur l'air de la Tikva, l'hymne national israélien, mais aussi parce que ce chant résonnait en lui, dans son âme précisément, au plus profond de lui-même. J'ai été avec Jacques comme un disciple auprès de son maître. Je l'ai écouté chaque mois dans ses locaux où nous avions nos réunions. Je l'ai suivi dans certains de ses voyages. J'ai pu m'imprégner de son enseignement et je considère que Jacques a été en effet l'un de mes maîtres les plus appréciés lorsqu'il expliquait la Bible sous le double éclairage de sa culture juive et de sa foi messianique. Jacques était un homme de conviction, ferme sur l'essentiel de sa foi, mais contrairement à ce qu'il pouvait laisser penser par ses réactions parfois un peu vives, souvent maladroites et même dans certains cas difficiles à supporter pour ceux qui lui étaient proches, il se révélait finalement assez large d'esprit sur des questions plus secondaires sur lesquelles il avait néanmoins, là encore, de solides convictions, sans toutefois prétendre avoir toujours raison, et surtout il savait se montrer ouvert et attentif aux autres. Mais au-delà de l'enseignement théorique, théologique si l'on veut, de ce maître, c'était aussi son attitude humaine et spirituelle que j'observais sous ses côtés les plus positifs. Et ce que j'ai retenu de Jacques correspond bien à ce cantique « Ô prends mon âme, que ta flamme brûle en mon cœur, que mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour vers toi. Je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi, mon seul bien. » Jacques est tout entier dans ses paroles. Ce désir de vivre pour Dieu, de lui être pleinement consacré, cette prière que la flamme de Dieu éclaire, réchauffe, anime son cœur et soit son soutien. Et enfin, le vœu que son être tout entier vibre pour son maître et divin roi. J'ai si souvent vu Jacques chanter ce cantique avec ce désir visible d'accorder ses paroles et son cœur. Et c'est un autre trait de Jacques que j'aimerais donc souligner, une autre qualité que j'ai souvent appréciée et que, là encore, j'ai pu goûter comme un disciple auprès de son maître. Dans le bureau qui se trouve au rez-de-chaussée de ses locaux, au fond de la cour, bien avant qu'il ne devienne l'atelier de Jacques, où il a peint de nombreuses toiles après sa retraite, comme nous avons pu en voir quelques-unes, nous avons passé de longues heures. Chaque mois, il nous fallait préparer le routage du journal et imprimer plusieurs milliers d'adresses des abonnés au journal du Berger d'Israël, avec des moyens qui nous sembleraient aujourd'hui très artisanaux, notamment une machine à alcool, souvent capricieuse, à laquelle Jacques pourtant tenait beaucoup, à mon grand étonnement, je dois dire. Après que nous avions imprimé ces fameuses adresses, nous prenions quelques minutes pour lire un psaume et pour prier. Et j'ai très vite remarqué que Jacques choisissait presque toujours le même psaume, le psaume 25. Je n'ai jamais osé le lui dire, sans doute parce que j'avais compris que c'était son psaume préféré, et que j'appréciais également ces paroles du roi David. Mais aussi parce que ces paroles, comme le cantique « Ô prends mon âme », résonnaient en lui, exprimaient ce qu'il ressentait au plus profond de lui. Cela se voyait, ou plutôt, dans ce cas, cela s'entendait à la façon dont il le lisait. Cette lecture, qui était en fait une prière,
révélait surtout un trait de sa personnalité que j'ai pu saisir à de nombreuses reprises. Je lis ce psaume dans la version seconde révisée, dite Bible Colombe, que Jacques appréciait particulièrement. « Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte. Ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté, Éternel. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. Il fait cheminer les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles son chemin. Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses préceptes. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grave. Quel est l'homme qui craint l'Éternel ? L'Éternel lui montre le chemin qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance possédera le pays. La pensée secrète de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et cela pour leur faire connaître son alliance. Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui fait sortir mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Les angoisses ont rempli mon cœur. Fais-moi sortir de mes angoisses. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me haïssent. Garde mon âme et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte quand je me réfugie en toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, libère Israël de toutes ses détresses. » Jacques était un maître exigeant, parfois jusqu'à l'excès. On le connaissait aussi pour sa sensibilité très vive, une sensibilité d'artiste, nous l'avons déjà souligné, notamment sur la question de son identité juive, ce que l'on pouvait comprendre lorsqu'on savait qu'il avait grandi entre l'âge de 10 et 15 ans en France et en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais on ne peut lui retirer pour autant ses grandes qualités et entre autres celles qui sont soulignées dans ce psaume. Un amour de la vérité biblique en particulier, un authentique désir de vivre dans cette vérité, une intégrité réelle, un refus de toute compromission et donc une grande sincérité qui se manifestait régulièrement, entre autres par une reconnaissance honnête de ses torts. Et enfin, une humilité, une spontanéité, une simplicité et une joie de vivre qui n'était pas sans rappeler celle d'un enfant, que l'on peut aussi deviner par les couleurs qu'il emploie dans ses tableaux. J'ai vu une fois Jacques, dans un moment de joie, jeter sa casquette en l'air. Et là encore, c'était tout Jacques. Et c'est ainsi que je l'imagine avoir rejoint ce que la Bible nomme le royaume des cieux, la présence de Dieu, avec cet élan spontané, cette simplicité, cette joie et cette confiance d'un enfant de Dieu par la foi en son Messie et Sauveur. Au terme de ces 40 années de collaboration et d'amitié, c'est en tout cas ce souvenir que je tiens en particulier à conserver de Jacques. Merci.
dans ma famille, je suis le seul à avoir reconnu en Jésus mon sauveur. À Lyon, c'était pas l'occupation allemande, mais il y avait des Allemands un peu partout. Et on savait qu'il y avait des arrestations. On ne savait pas encore qu'il y avait des camps d'extermination, mais c'était quand même l'angoisse. Voilà. En 1944, là, j'avais 13 ans, c'était l'année de ma bar mitzvah. Et j'ai fait ma bar mitzvah avec un rabbin très strict. Bon, c'était en 1944, j'ai fait les beaux-arts, j'ai vécu pour la peinture jusqu'en automne 1955. Ata Israel, Shma Israel, Madonai Elohecha, Shoel Meimcha. Ekut Israel. Il faut qu'il ait le regard tourné vers le Seigneur, bien sûr, mais sur des serviteurs de Dieu qui vivent pour le Seigneur et qui nous donnent une impulsion pour faire comme eux. C'est ce que j'ai fait, ce que je fais encore, avec aussi, il faut le savoir, parfois des cruelles déceptions, parce que j'ai vraiment vécu, ça fait 60 ans que je suis dans le ministère, des choses navrantes et qui pourrait être décourageante, mais il ne faut pas se laisser décourager.
Je rends grâce au Seigneur pour le souvenir que je garde de son serviteur Jacques Guggenheim, pour moi un ami et un frère très estimé. Ma mémoire remonte jusqu'aux années 1960. C'est la période qui a été représentée sur l'écran il y a quelques instants par des photos prises à l'Institut biblique de Nogent. J'y commençais mon enseignement, j'étais tout jeune encore, évidemment, mais je reprenais en particulier le cours d'hébreu biblique que mon père avait enseigné jusqu'à ce moment-là. Et je me rappelle en particulier Madame parmi les étudiantes de l'Institut de cette époque. Dans le bref hommage que je veux rendre, le témoignage de reconnaissance qui est le mien pour ce que j'ai perçu de la vie et de l'œuvre de mon frère Jacques Guggenheim, je veux faire ressortir deux éléments dont on n'a pas encore spécialement parlé, deux traits qui sont peut-être des traits de détail, mais en même temps, pour moi, très symptomatiques, qui donnent des indications précieuses sur le genre d'homme qu'était notre frère Jacques. Le premier a rapport à son ministère spécialisé et aux causes de découragement qu'il a évoqué il y a quelques instants sur l'écran, aux oppositions qu'il a connues, aux souffrances qu'il a endurées assez longtemps. Je les ai assez nettement perçues et je sais que c'est tout spécialement de la part de certains frères qu'il a souffert. Il a souffert de la part de certains frères bien intentionnés, on peut le supposer, mais mal aiguillés, et en particulier à cause de l'interprétation des Écritures qu'il avait atteinte, que je crois pour ma part fidèle, exacte, rigoureuse, mais que d'autres ne partageaient pas. Il a souffert, mais il a tenu, cela je l'ai observé, et c'est le point que je veux faire ressortir, il a tenu à ne pas nuire à ceux qui s'étaient ainsi opposés à lui en produisant dans l'arène publique des choses qu'il savait et qui les auraient desservies. Une fois, il m'a remis des documents dans ce sens, mais avec la condition expresse que je n'en ferais aucun usage. Et je n'en ai fait aucun usage. J'ai respecté la condition qu'il avait mise, mais il me paraît très significatif qu'il ait tenu à respecter la parole biblique « Remets ton sort au Seigneur ». Fais-le rouler sur le Seigneur, littéralement. Vous savez ce verbe galal. Remets ton sort au Seigneur et il agira. Cette foi sobre, cette capacité d'endurance et de respect fraternel m'ont impressionné et j'en rends témoignage aujourd'hui. Le deuxième trait a rapport à l'art qu'il a pratiqué, dont nous avons eu une toute petite idée, là encore, il y a quelques instants, par la projection représentant certains de ses tableaux. L'art de peintre, il a mis en œuvre le talent que le Seigneur lui avait donné. Alors ce n'est pas sur le fruit de son travail que je veux attirer l'attention, d'autres seraient bien plus qualifiés que moi pour le faire, mais sur un écho que j'ai eu, l'écho des échanges qu'il a eu sur la peinture, sur le rapport entre la peinture et la foi et la marche avec le Seigneur. Je sais qu'il a, à ce propos, entretenu tout un ensemble de réflexions communes avec l'autre grand peintre chrétien, Jacques-Richard Sassandra. Et
j'ai été très frappé par cette volonté, non seulement de faire œuvre belle, mais de réfléchir, et de réfléchir dans la foi à son propos. Jacques-Richard Sassandra, avec les contraintes actuelles, n'a pas pu être des nôtres cet après-midi, mais ma proximité avec lui, sans que j'ai reçu aucun mandat, hein, ma proximité avec lui fait que je me sens le représenter un tout petit peu aussi dans cette cérémonie de reconnaissance cet après-midi. C'est un bel exemple à mes yeux d'intégration de la foi, de la vie et de la pensée que cette réflexion menée à propos de son art au service de la gloire de Dieu. J'ai cherché quel serait le verset du Tanakh qui, pour moi, correspondrait le mieux à ce que je garde en mémoire de Jacques Guggenheim. Et c'est le psaume premier qui est venu à ma pensée. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Chatoul al-palgemayim. Il donne son fruit en sa saison. Son feuillage ne se flétrit pas. Et tout ce qu'il fait, yatsliach, vient à parfaite maturité. Voilà le souvenir pour lequel je rends grâce à notre Dieu. Amen. Bonjour. Je voudrais simplement rappeler le lien historique entre Juifs pour Jésus France et Jacques, suite à une rencontre entre Stephen Pacht et Jacques, il y a 35 ans. Je vais donc vous lire un message écrit par Stephen Pacht, qui n'a pu être présent parmi nous aujourd'hui, mais qui a vraiment tenu à apporter ce témoignage. Je lis. J'ai rencontré Jacques pour la première fois lors d'une conférence qui avait lieu dans une école biblique en Angleterre en 1986. J'y étais encore comme étudiant. La réputation du ministère du berger d'Israël l'avait précédé. Je me souviens de son accueil chaleureux et son invitation à bras ouverts à le retrouver à Paris. Je me souviens aussi de son patriotisme, tendance chauvinisme. Tout comme le président Mitterrand à l'époque, il n'était pas question pour lui de parler anglais. D'ailleurs, il disait ne pas comprendre, il avait son propre interprète. Cependant, chose curieuse, lors d'une discussion en anglais, Jacques étant présent, il interrompt la discussion et dit « Je ne suis pas d'accord ». Lui qui ne comprenait pas l'anglais avait miraculeusement reçu le don de l'interprétation des langues. 3 ans plus tard, jeune marié, je me suis retrouvé à Paris avec Déborah pour fonder Juifs pour Jésus. Jacques m'accueillait régulièrement chez lui pour son plat de résistance, les spaghettis. Rennes invitait Déborah pour des rencontres plus culturelles, par exemple une production du Petit Prince au théâtre. Jacques se vantait de la délicatesse de son épouse et s'amusait à me dire qu'elle le traitait de Yankee. Jacques avait ce côté brusque, mais cela faisait partie de son tempérament juif que j'aimais tellement. Il était d'une franchise attrayante, un sabra sans être israélien, coriace de l'extérieur, sentimental à l'intérieur, direct mais sensible et bienveillant. Il avait ses opinions, mais il était respectueux à l'écoute des autres. Le fait que le patriarche des missionnaires juifs en France m'accueillait si chaleureusement était une grande source d'encouragement. Pas question d'esprit de compétition envers les autres missions. Il participait à nos réunions et montrait une sollicitude envers les invités. Au fil des années, il venait, carnet en main, notant les noms et les circonstances des personnes afin de ne pas les oublier. Il nous soutenait aussi dans les activités qui ne lui convenaient pas particulièrement. Il nous accompagnait dans la rue pour distribuer des traités évangéliques, pas dans ses habitudes naturelles, mais les gens venaient toujours vers lui pour discuter. Ils étaient attirés non seulement par son aspect vénérable, mais par son ouverture d'esprit et son intérêt envers les autres. C'est ce qu'il se lisait sur son visage. Les gens aimaient Jacques et le recherchaient. Jacques avait toujours un attachement intime à la parole de Dieu. Il écoutait, il notait, il décortiquait, il expliquait la parole. Il était fidèle au Seigneur. Je lui ai parlé au téléphone 2 semaines avant son décès. Il était faible. Sa mémoire était défaillante.
mais il lisait toujours la parole de Dieu. Jacques a assuré et terminé la course. Maintenant, il est auprès du Seigneur. Que le Seigneur vous réconforte, Reine, Ruth, Rosine, David, Ilan, Naël, Baya. Nous vous embrassons de tout cœur. Steven et Déborah. J'ai juste à partager avec vous une parole d'adieu de Claude, le frère de Jacques, qui est dans les Vosges et qui n'est pas parmi nous. Je veux évoquer mon frère à travers deux images. Nous avions environ 10 ans d'écart. Quand Jacques en avait 16, j'étais un gamin. Et bien sûr, nous avions des conflits. J'étais jaloux de ses crayons de couleur, et quand il refusait de me les prêter, je prenais mon fusil à fléchettes et ses crayons s'envolaient par la fenêtre. En 1950, à la mort de notre père, je suis sortie brutalement de l'enfance insouciante. Et toi, Jacques, tu avais 20 ans. Tu as choisi la liberté. Combien de sous avais-tu en poche? Tu as quitté la maison, tu es monté dans un train et tu as suivi ta quête. La peinture ou la foi? Ou les deux? Dans quel ordre? Et puis tu as rencontré Rennes. Oh, vous avez une belle famille. Adieu, Jacques, mon frère. Est-ce que vous pouvez vous mettre debout pour la lecture de la prière traditionnelle Ashkenaz, El Malei Rachamim, qui est souvent dite lors de commémoration de la Shoah et pour ceux qui ont survécu à ce moment terrible de l'histoire. El Malei Rachamim Shochen Bamromim Amtzei Menucha Nechona Al Kanfei Hashchina במעלות קדושים, קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע, מזהירים, נשמעת יעקב בן שמעון ז'אק פיס דה סילבן שהלך לעולמו בגן עדן תהיה מנוחתו לכן בעל הרחמים יסתירהו בסתר כנפיו לעולמים ויצרור בצרור החיים ויצרור בצרור החיים את נשמתו אדוני הוא נחלתו וינוח בשלום על משכבו ונאמר אמן. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons entendre deux vidéos, on arrive vers la conclusion de notre temps ensemble. Deux personnes qui voulaient être présentes, le pasteur David Allègre, qui est le pasteur actuel à l'église d'Alésia, où assiste Rennes, où elle est membre, et le pasteur Louis Schweitzer, qui était pasteur quand David et Ruth étaient jeunes ici dans ce lieu même. Et donc on va voir ce qu'ils vont nous dire. Chers amis, je suis heureux de pouvoir être avec vous en ce jour, même si c'est en visio, pour simplement vous dire à chacun toute ma sympathie. À toi, Reine, bien sûr. À toi, Ruth. À toi, David, et puis à ton épouse et à tes enfants que je ne connais pas.
Je regrette aussi de ne pas être aujourd'hui ici, rue de Lille, dans cette église dont j'étais le pasteur. C'est là que nous sommes rencontrés. J'étais le jeune pasteur et vous étiez participant à la vie de l'église. Jacques était responsable du berger d'Israël qui se réunissait ici. J'étais membre du comité, donc nous avions de nombreuses occasions de collaborer. Et puis je me rappelle aussi avec émotion de rencontres familiales que nous avons eues, soit chez vous, soit chez nous, et où j'ai pu découvrir aussi des aspects de votre famille, des intérêts aussi, des centres d'intérêt de Jacques que j'ignorais. La peinture, bien sûr, qui est essentielle, mais aussi beaucoup d'autres sujets sur lesquels nous avons eu de longues discussions, et je me rappelle encore certains éléments qui sont restés dans ma mémoire. Et puis, je me rappelle aussi de rencontres peut-être moins sérieuses avec vous autour d'une table et de jeux de rôle dirigés par David avec beaucoup de sérieux. Et ça nous permettait aussi de découvrir des aspects des personnalités des uns et des autres. Voilà, je voulais simplement vous dire que je suis avec vous, que je prie pour vous, que je prie avec vous. Je sais à quel point la perte d'un proche est quelque chose de douloureux, même si nous savons qu'il est auprès du Seigneur et que, si j'ose dire, tout va très bien pour lui, c'est pour ceux qui restent que la souffrance peut exister, le vide et le manque. Je veux simplement prier avec vous, prier pour vous, vous dire toute mon affection. Et je suis heureux de pouvoir le faire aujourd'hui avec vous. Et puis j'espère que nous aurons d'autres occasions peut-être de nous retrouver, de nous rencontrer plus longuement. En tout cas, merci de me permettre ainsi de participer avec vous à ce temps. Je voudrais, au nom de l'Église évangélique libre de Paris-Alésia, dont Reine, l'épouse de Jacques, est membre, lui adresser ainsi qu'à sa famille ces paroles d'espérance tirées de la Bible, la source de notre foi et de notre réconfort en ces temps si particuliers et troubles pour eux. Voici ce qu'affirme l'apôtre Paul alors dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 1 et au verset 2. « Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion, nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. » Chère Reine, ma prière pour toi, c'est que tu trouves d'abord en ces temps de séparation le réconfort dont on a besoin quand on perd un être cher. Que tu trouves celui-ci auprès de notre Dieu et que ta foi en celui qui a dit qu'il était la résurrection et la vie soit aussi celui qui soit ta force, ce rocher sur lequel tu peux t'appuyer aujourd'hui et demain pour faire face. Oui, nous demandons à Dieu que ta confiance en lui soit ainsi renouvelée et qu'elle puisse être alors pour les tiens, qui eux aussi ont perdu un être cher, une source de réconfort. Nous demandons à Dieu que vous puissiez trouver les uns et les autres ce réconfort et cette paix qui vous permettent de poursuivre votre route dans l'espérance et la paix. Pour conclure, je voudrais te laisser, chère Reine, ces paroles de réconfort que le psalmiste adresse tout simplement à son Dieu sous la forme de cette prière du psaume 116. J'aime l'Éternel car il m'entend quand je l'appelle. Il a tendu vers moi une oreille attentive. Toute ma vie, je ferai appel à lui. La mort me tenait déjà enchaîné, le monde des ombres serrait sur moi son étreinte. J'étais pris dans la détresse et l'angoisse. Alors j'ai crié au Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur est bienveillant et fidèle. Notre Dieu a le cœur plein d'amour. Allons, dit le psalmiste, je dois retrouver mon calme, car le Seigneur m'a fait du bien. Au nom de toute l'Église libre d'Alésia, nous voudrions t'adresser, chère Reine, tout notre soutien et notre amour fraternel.
Et j'aimerais vous dire que les fleurs qui sont ici viennent des voisins de la résidence Brahms, où habitent Reine et Jacques, et ils ont mis un message dedans pour la famille. Et vous pouvez, ceux qui êtes de loin, vous pouvez toujours mettre un message sur le chat et on va le transmettre à Reine et à sa famille. Avant de conclure avec vous par la prière, je voudrais vous apporter les condoléances, la compassion de l'ensemble du corps pastoral de la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, de son Conseil national et tout particulièrement de son président Thierry Auguste, qui n'a pas pu être des vôtres et qui me charge de vous transmettre ses plus fraternelles salutations. Un tout petit mot personnel. Parce que je suis probablement la seule personne de cette communauté réunie ici à ne pas avoir connu Jacques Guggenheim. Je ne l'ai pas connu comme pasteur, je ne l'ai pas connu comme directeur du Berger d'Israël, je ne l'ai pas connu comme peintre. Il en va ainsi de la génération de serviteurs et de servantes. Les uns et les autres ne se rencontrent pas toujours. Je suis donc ici un témoin privilégié de la trace laissée par la vie d'un homme dans le cœur de ses semblables et de ses proches. Il y a trois choses que l'auteur des Proverbes, du Proverbe 30, verset 19, ne parvient pas à comprendre et qui le dépasse: la trace de l'aigle dans le ciel, la trace du serpent sur la pierre et la trace du bateau dans la mer. Et lorsqu'un homme remet sa vie entre les mains du Seigneur et lui confie toutes ses voies, la trace qu'il laisse dans le cœur de ses semblables est parfaitement visible et elle porte la marque de la vie même de Dieu. Je me suis donc retrouvée cet après-midi dans la position de ces Cananéens, témoins de l'enterrement de Jacob par les troupes venues d'Égypte en Genèse 50, verset 11. Quel deuil important pour les Égyptiens, ont-ils dit. Chacun de vous à sa manière, selon son vécu propre, a partagé quelque chose de ce surplus de grâce, de force et de vie qui lui a été accordé de la part du Seigneur par sa rencontre avec Jacques Guggenheim. Chacun de nous à sa manière, selon le dessein propre de Dieu, laisse une trace dans la vie de tous ceux qui l'entourent, qu'ils soient proches ou lointains. Et c'est à la fois une merveilleuse grâce et une lourde responsabilité. La nouvelle version de la Bible en français courant, parue cette fin d'année 2020, a choisi de traduire le mot « trace » qui est contenu dans ce verset de Proverbe 30, 19 par le mot « chemin ». Cela me paraît particulièrement approprié parce que toute trace laissé par un homme ou une femme sur cette terre peut devenir un chemin à suivre. Que le Seigneur Tout-Puissant, qui a choisi de devenir un homme pour laisser une trace au milieu de nous, nous garde alors que nous sommes tous encore en route. Prions. Seigneur, nous voulons te bénir pour cet homme riche, si riche, qu'a été Jacques Guggenheim, pour toi et pour nous. Merci pour sa vie, merci pour sa joie, merci pour le bouillonnement intérieur de ses passions, merci pour les convictions que tu as déposées dans son cœur et qu'il a su amener à la réalisation de projets magnifiques qui perdurent encore aujourd'hui. Oui, nous te bénissons pour tout ce qu'il a été, pour ses forces et ses faiblesses, pour ses limites et pour ses richesses, Seigneur. Nous te rendons grâce pour tout ce qu'il a été au milieu de nous et pour nous. Seigneur, nous nous remettons nous-mêmes entre tes mains. Nous remettons la famille entre tes mains. Nous croyons que le chemin qui s'ouvre aujourd'hui devant chacun d'entre eux est déjà dans tes mains et que tu sauras les accompagner, les porter, les consoler, les restaurer, les amener vers d'autres cieux, d'autres réalités. Bénis, Seigneur, bénis, Seigneur. Nous te remercions parce que nous savons que tu le fais, car tu es un Dieu de bénédiction. Et cela aussi, aujourd'hui, c'est notre force, notre sécurité, notre joie.
dans le nom de Jésus. Amen. On va chanter un dernier chant avant que James vienne conclure notre culte ensemble. À toi la gloire, je vous invite à vous lever. À toi la gloire.